Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons parler d'une technique pour faire vos esquisses. Alors, il y a une première vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube, c'était la technique du quadrillage. Si vous l'aviez loupée, elle s'affiche ici en ce moment. C'est très simple, ça consiste à reproduire une grille, la même grille sur votre modèle et sur votre feuille. Et comme ça vous donne plein de points de repère. Donc déjà, ça vous permet d'avoir un bon cadrage et aussi, ça vous apprend à décomposer votre sujet en formes abstraites. Et justement, la technique que nous allons voir aujourd'hui, donc elle ne consiste pas à reproduire un quadrillage, il n'y a pas de grille, donc c'est vrai que c'est un petit peu moins fastidieux à mettre en place, mais elle consiste justement à simplifier au maximum son sujet pour le recréer en fait en forme géométrique très simples qui vont nous permettre de bien positionner chaque partie de son sujet et d'avoir au final quelque chose de bien proportionné. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que de se dire « Allez, je commence à dessiner, je vais faire tous les contours. » Alors ça, c'est vraiment très compliqué parce que quand vous décidez de faire tous les contours, eh ben en fait, vous n'avez aucun point de repère. Donc vous faites vraiment à la louche et il n'y a rien de tel pour se planter. Et vous allez voir qu'avec cette méthode, eh bien, vos erreurs seront beaucoup plus petites et beaucoup plus faciles à corriger. Et je trouve qu'en même temps, ça vous apprend là encore à vraiment... ça aiguise votre œil. Alors, il y a un livre qui parle de cette méthode justement. Il s'agit du livre « Dessiner et peindre les animaux sauvages » de Vic Beocroft. Il y a un lien dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce livre. Moi, je vous montre juste 4 pages que je trouve donc intéressantes pour illustrer cette vidéo. Les premiers croquis. Et on voit à quel point on peut simplifier son sujet vraiment au maximum. Ensuite, donc, cet ensemble de formes géométriques, une fois qu'on ajoute les vrais contours, une fois qu'on ajoute les détails, eh bien, ça nous donne un animal bien proportionné. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un livre qui est très beau. Vraiment, Vic Beocroft est un très grand artiste. Ses tableaux sont somptueux. Maintenant, ce que je reproche à ce livre, c'est que je trouve qu'il manque de secrets, il manque d'explications. On a l'impression qu'il donne pas vraiment les clés pour apprendre à peindre et à dessiner. Si vous êtes débutant, je pense pas que vous puissiez apprendre vraiment quelque chose avec ce livre-là. Ça reste un très beau livre à avoir dans sa bibliothèque. Mais c'est mon avis. Peut-être que vous avez ce livre et que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Peut-être que vous avez appris plein de choses avec. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et comme ça, ça pourra sans doute être utile à d'autres personnes qui se demandent si ils ont envie de l'acheter ou pas. Alors bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous faire une petite démonstration de cette technique. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé l'esquisse de ce tableau et notamment le petit furet du haut. Alors ce tableau est très particulier, en fait ce n'est pas une commande, c'est un don pour une association, pour l'association ASBL Mustela qui est un refuge pour furets. Vous avez le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir ce qu'ils font. Parce que oui, il y a des chiens, des chats, des chevaux d'abandonnés, mais il y a aussi beaucoup de nacs, les nouveaux animaux de compagnie, donc tout ce qui va être rongeurs, furets, lapins, reptiles, tous ces animaux qu'il est très facile d'adopter. Et puis, au bout d'un mois, on se dit « Ah ben mince, un furet, ça sent mauvais, et puis il faut s'en occuper. » Donc c'est dire à quel point on s'est renseigné avant d'adopter, hein. Donc heureusement qu'il y a des associations pour prendre soin d'eux, pour les recueillir et pour les placer. Si ce tableau vous intéresse, si vous avez envie de l'acquérir, sachez que tout le bénéfice en revient à cette association. Donc n'hésitez pas à me contacter s'il vous intéresse. Et c'est parti pour la démonstration. Alors je vais faire cette démonstration au pastel, enfin avec un crayon pastel du moins. Mais pour vous exercer à cette technique, je vous recommande plutôt le graphite qui sera plus facile à gommer. En tout cas, si vous le faites comme moi au pastel, choisissez une couleur facile à gommer. En l'occurrence, j'ai pris du blanc sur du jaune foncé. Comme ça, je pense que si j'ai besoin d'effacer, ça ne posera pas de problème. Donc là, j'ai fait un petit croquis pour voir un petit peu comment j'allais composer mon tableau. C'est quelque chose que je fais rarement. Enfin, je le fais jamais quand j'ai des commandes, mais là, comme c'est une composition de mon invention, il fallait que je vois un petit peu à quoi ça allait ressembler. Donc, j'ai fait mes petits furets. Ça va être deux troncs d'arbres et donc on va voir leur petite bouille qui dépasse. Chaque sujet, on peut toujours le décomposer en forme géométrique simple. C'est ça en fait qu'il faut voir. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un grand cercle, ici on a un cercle plus petit, on a deux demi-cercles au niveau des oreilles. Et en fait, si on simplifie un sujet, si on fait en sorte qu'il soit
non plus remplie de petits détails, mais vraiment simplifiée au maximum, et bien petit à petit, on va pouvoir ajouter des détails et ça va considérablement nous simplifier la vie plutôt que de se lancer directement dans quelque chose de compliqué. Donc, d'abord, je vais marquer donc... Ça va être la séparation des troncs. Et je vais commencer par celui-ci. Donc je vois que ça fait un cercle écrasé, hein, en gros. Alors je l'ai aussi sur mon ordinateur, j'ai la photo de modèle. Je me base plutôt sur celle-là. Alors, il faut que je vois la taille que je veux que ça prenne sur ma feuille. Je pense que je vais plutôt partir sur quelque chose de plus grand. C'est ça aussi qui est bien, c'est que ça va nous permettre d'avoir une bonne idée du cadrage. Et là, c'est facilement rectifiable à ce stade-là. Si je vois que ma tête est trop petite par rapport à ce que je veux, bah, je vais pouvoir facilement l'agrandir. Et l'autre serait là. Et effectivement, elle est trop petite. Je vais l'agrandir même pas mal. D'utiliser bien tout l'espace de la feuille. Pas envie d'avoir énormément d'écorce en fait, parce que là de chaque côté ça va être de l'écorce. J'ai pas envie d'avoir beaucoup d'écorce et deux petites têtes ridicules au milieu, ça serait quand même dommage. Et là, alors je gomme donc mon premier essai, j'utilise une gomme mille-pain, ça va laisser un petit peu des marques, mais moins que si j'avais utilisé un crayon gris ou... Et son autre oreille, elle est un petit peu cachée, on la voit quand même. Alors le furet, ça, enfin celui-ci, il a un marquage putoisé. Donc c'est bien les animaux qui ont un marquage parce que ça nous fait des points de repère en fait. Là, je vois qu'on voit un petit peu plus son oreille. Ensuite, on a le museau qui forme un autre cercle. Donc ça va démarrer à peu près là. Et je regarde en fait par rapport à mon cercle principal, je vois que le haut de ce cercle là, le haut du cercle du museau, il arrive à peu près à la moitié. Donc c'est à peu près ça. De chaque côté du cercle, on a en fait encore un cercle finalement. Sauf qu'il y en a une partie qui est cachée. Bon, c'est pas des cercles très ronds, hein, c'est des cercles un petit peu écrasés, mais ça nous donne comme ça, mine de rien, quand même pas mal de points de repère. Et là, on voit déjà, on devine un petit peu déjà la bouille du furet. Après, il y a son petit cou qui va venir former là une autre forme géométrique. Et il se prolonge comme ceci. Là, on a du marquage. Donc en fait, si je regarde bien, je peux encore en déduire une autre forme qui ferait comme ça. Comme ça. Qui est un peu plus creuse là. Et
Donc je sais que mes yeux, ils se trouvent à peu près comme ça. Et comme ça. Pour la truffe, et ben pareil, je vais voir à peu près l'espace qui reste entre la truffe et le haut du cercle. En fait, tout ce qu'on fait, ça nous rajoute des points de repère pour attaquer la partie suivante. Donc là, je vois qu'elle est à peu près comme ça. J'essaie de voir. Je pense que ça, j'ai fait un petit peu trop bas, donc je remonte. Donc logiquement, il y a un triangle qui est formé par les babines que je reproduis. Ce triangle, la base en fait, c'est la lèvre. Là, on voit un petit peu la bouche. Et donc, il y a la base de la truffe. Qui est en forme de champignon. Et voilà donc mon premier furet. Là, je vais pouvoir affiner en regardant bien mon modèle et voir un petit peu les vraies formes, parce que là j'ai fait des cercles très ronds, mais on va avoir des différences si je regarde de plus près. Et là je vais pouvoir commencer à bien détailler. Ici je vois que j'ai un marquage brun. Donc je le fais pour pas l'oublier. Ici, j'ai un marquage beige. En fait, ce qu'il faut quand vous faites un animal, ce qu'il faut vraiment, là où il faut vraiment être vigilant, c'est à ce qu'il soit cohérent. C'est-à-dire à ce que les yeux soient vraiment, là si je trace un axe, eh bien, ça doit être parallèle à l'axe des narines, ça doit être parallèle à l'axe de la bouche. Il faut que les yeux aient la même taille. Il faut que vraiment, il n'y ait rien qui cloche quand on regarde l'animal. Mais après, si l'attitude est légèrement différente, l'angle est légèrement différent, ça, c'est pas grave. Parce que un tableau, c'est toujours une interprétation. Donc, on ne cherche pas forcément à avoir quelque chose de copier-coller quand on décide de faire un tableau de sa propre création. Après, moi, c'est vrai que quand je fais des portraits sur commande, il faut que ce soit parfait parce que je veux pas juste faire un chien, je veux faire le chien de la personne. Donc, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps sur mes esquisses pour m'assurer que tout est vraiment au millimètre. Mais là, je fais un tableau donc pour offrir à cette association. Donc, ce n'est pas très grave si le furet ne ressemble pas exactement à mon modèle. Puisque je ne cherche pas à immortaliser ce furet-là en particulier, je cherche à faire un tableau de furet. Ce qu'on peut faire aussi, c'est voir, en fait, comparer là, par exemple, si je trace une ligne, ici, j'obtiens un espèce de triangle courbé. Et je peux vérifier si ce triangle, il a bien la même forme que sur mon modèle. Donc ici, il serait là. Et ma foi, ça me paraît pas trop mal. Je vais effacer donc mes lignes de construction. De toute façon, ça va être colorisé par-dessus, mais c'est pour pas... pour éviter de m'embrouiller les pinceaux après lorsque je vais passer à la mise en couleur.
Mon esquisse finalement est assez différente de ma photo de modèle, mais avec cette méthode, ce qui est bien, c'est que les erreurs ne sont pas non plus énormes et elles sont facilement corrigeables, bien que je ne les ai pas toutes corrigées parce que justement ça reste un tableau d'interprétation et comme l'ensemble restait cohérent, je n'ai pas eu besoin de modifier radicalement mon esquisse.